But if you close your eyes. Abonne-toi, Macoud. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de ce Chat Play sur le Chat Pack. Dans l'épisode d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? On va tout simplement faire un excavator. Alors, un excavator, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ici des petits trucs. On peut voir qu'on n'a pas d'excavator. Un excavator, comment ça se craft ? Ça se craft tout simplement avec un excavator head pattern. Et en théorie, on a tout le reste. Pourquoi on a tout le reste ? Eh bien, parce que pour l'excavator, il nous faut un head pattern, une steel plate, enfin une plate, une cross binding et une, enfin une tooth binding et un tooth rod. Le head, on l'a déjà pour le marteau. Voilà. Le tooth rod, on l'a déjà là. Et le tooth binding, on l'a déjà là. Donc en théorie, on a déjà tout ce qu'il nous faut. Il nous manque juste la tête que l'on va couler tout de suite. Tac. Alors est-ce que ça a fini? Voilà, de nous faire de l'aluminium brass, c'est très bien. Hop, on va en faire un. On va récupérer le ingot cast que l'on va utiliser, bien entendu, pour couler les trois restants. Hop, alors j'ai désactivé le système complet, on n'en a plus besoin, c'était simplement pour faire, eh bien tout simplement pour faire fondre tous nos objets. Pour le moment, on n'a pas besoin de faire fondre nos objets. Hein. Donc l'aluminium brass, on le récupère, on le remet dans notre système. Tac, tac. On va regarder si on n'a pas du steel qui traîne. Alors du steel qui traîne, on en a deux qui traînent. On peut en commander un peu plus. Il va nous en falloir plein. Il va nous en falloir combien exactement? On va avoir besoin donc, attendez, on va virer ça, tac. On va avoir besoin du excavator, on va avoir besoin du tooth binding, tooth rod et steel large plate. Alors, 8 et 8, 16. Et 3 et 3, 6. 16 et 6, 24. On va avoir besoin de 24 steel. Steel, on va en avoir besoin de 24. Alors, 10, 20, 2, 3, 4. Parfait. On n'a plus qu'à attendre que ça se craft. Ça va aller sensiblement vite. Je vous rappelle que tout simplement, on a boosté quasiment en entier tous nos objets. Alors hop là, on a quasiment boosté tous nos objets. Hop, on a notre petit système qui nous permet de voler aussi, bien entendu, très pratique. Et on est bientôt prêt, donc voyons voir où on en est. Hop, on coupe ça. C'est en train de process à première vue, si ce n'est pas déjà fait. Ah, c'est bon, c'est en train de process. Voilà, hop. Un steel dust qui se transforme, qui vient automatiquement ici se faire cuire en refined iron ingot. Parfait. Le refined iron ingot qui se trouve ici. Steel. Ou alors il nous l'envoie directement dans l'under pouch. Ce qui est fort probable aussi. Alors après, peut-être que justement il pense pas que ce soit du steel et qu'il continue à l'envoyer. C'est fort probable aussi. D'ailleurs, il faudrait penser à changer ça en refined iron ingot plutôt qu'en steel plate. Hein. Refined steel, non, dans le coffre, non, je ne sais pas du tout où va le refined iron. Eh ben, il n'a pas tiré tout simplement, donc on va le changer. On va le changer parce qu'il ne prend pas en compte que ce n'est pas du steel mais du refined iron. Donc prenons notre clé qui est certainement ici. Crescent hammer, oui, elle est là, très bien. Request le crescent hammer que l'on va prendre, que l'on va utiliser pour changer. Alors, il est où? C'est celui-ci, c'est pas du steel, c'est du refined iron, du coup, que tu obtiens. Voilà, un. Hop, on récupère tout ça. Du coup, maintenant, on peut sensiblement, et je dis bien sensiblement, gérer un peu tout le reste. Alors, j'aimerais qu'on termine ici d'abord de récupérer un peu tout. Voilà, quand tu auras terminé tout ce qu'il te faut, encore... donc ça nous en fait 19 en tout. 23, voilà, 20, ça nous fait 22, il nous en manque 2, on va prendre les deux restants. Et on va aller faire couler tout ça en haut dans la petite machine. Voilà, 22, 24, on est parti. On va aller faire couler tout ça là-haut. Hop, on vole parce que on a une steel plate, et que, enfin on a une flux jet plate et que du coup bah, c'est pratique. Voilà, et que au moins c'est moins cheaté que de se transformer en batte. Mettons nos 24 ici. Hop, ça va fondre en steel. Et ce steel, on va l'utiliser pour faire fondre tout là-dedans. Donc on se retrouve dès que le steel a fini de fondre et que l'on va pouvoir tout simplement obtenir tous nos petits morceaux pour l'excavator. Le steel a fondu, j'ai décapité un petit peu tous les arbres, hop, qui sont là pour faire un peu de place, parce qu'on va tout simplement venir
et se faire une petite apiarée entre guillemets, petite serre où eh bien on va tout simplement faire couler un peu tout. Enfin, on va surtout faire plein d'abeilles dedans, ce qui va être vachement utile. Donc la casting table, on prépare bien entendu notre petit excavator parce qu'on va avoir besoin de virer beaucoup de pierres. Et on a deux façons pour faire ça, bien entendu. On a la façon avec le filler et on a la façon avec la casting table et l'excavator. Sachant qu'on a besoin de terre pour notre système d'énergie, autant récupérer la terre avec une petite excavator qui va, comme le marteau ou la lumberaxe nous fait, découper une zone de 3 par 3 et non pas une petite zone à la con. On va faire vraiment de la grosse zonasse bien cradote. Voilà, hop. Steel Excavator, parfait. De la bonne grosse zonasse bien cradote du 3x3. Alors, hop, hop. Voilà. Du 3x3, quand on casse, tac, on voit 3x3. Et ça, c'est cool. Parce que du coup, comme on fait comme ça, on va pouvoir dégager beaucoup de choses. On va pouvoir dégager aussi assez facilement tout le gravier. Hein, que l'on retrouve comme ça. Voilà, donc on va hop, faire un plat. Voilà, tout simplement parce que les montagnes, c'est rigolo, mais au bout d'un moment, eh ben, c'est difficile de les gérer. Donc, on dégage tout, on fait une zone sensiblement plate. Alors, on va essayer de dégager uniquement la zone qu'il nous faut. Je vais faire une serre de 20 par 10. On va dire 20 par 10, ce sera très bien. Une serre de 20 par 10, pour ça il va nous falloir du glace, il va nous en falloir 8. Il va nous falloir une torche, sachant qu'il nous faut de la torche vanilla, donc torche, bloc torche. Il nous en faut une. Et on va venir ici récupérer tout ceci, on va faire une crafting table au sol, parce que ce sera plus simple comme ça. On va poser en cube nos petits glaces, comme ceci. Au centre, on met une torche et on obtient un building guide. Le building guide, tout simplement, est un bloc qui va nous permettre de construire un guide pour la construction. Donc, on va partir du principe qu'ici, on va vouloir. Allez, 5 de décalage. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, parfait. Donc, ici, on va avoir le début de notre farm. Donc, pour savoir exactement comment on fait, on va prendre, bien entendu, notre tape. C'est où? Tape. Il est déjà dans le truc. On l'a déjà ici. Et où il est là. Parfait. Hop. Le tape measure que l'on va poser ici. Et on va creuser un trou. On va creuser jusque 20. Voilà. En profondeur. Enfin, jusque 10 au moins, vu qu'on veut faire du 20. 21, on va dire. Donc 11. On va prendre. Donc là, 9, 6. Alors attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, ça va être un peu short quand même. On va plutôt faire du 21. On va faire du 42. Alors, 9, 10, 13, 15. 15. On est à 18, 19, 20, 21. Très bien. Ici, 21. Tac, on vérifie. Parfait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser ce building guide. On va essayer de le décoller un petit peu des côtés. S'il veut bien, on va essayer de l'activer aussi. Alors, pour l'activer, comment on fait? On prend une main droite vide et on le change. Alors là, il est en mode cylindre. Il est en mode cylindre, ce qui signifie que tout simplement, il est en train de signaler un cylindre tout autour de lui. Alors, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas. On va essayer de voir ça. Tu m'as dessiné ou pas encore? Non, tu m'as pas dessiné, toi. Ça ne m'intéresse pas. Hop, on va péter un trou en dessous. Il faut qu'il soit en l'air. Parce qu'on va avoir besoin d'y accéder dans tous les sens pour faire les réglages. Alors, déjà, rangeons un petit peu tout ça. On n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin de ça. Ça, on en a besoin, donc on le garde sur nous. Hop, tout le reste, bah tout le reste, on peut le virer facilement. Voilà, hop. Et maintenant, avec la main vide, on va faire un shift, enfin faire un clic droit dessus pour changer la taille du truc. Donc, on va le mettre à fond en hauteur, histoire de récupérer. Pourquoi on ne voit rien? On ne voit rien. Alors attendez, on va essayer de le tester à la surface. Genre à la surface. Alors. Tac. Il n'y a rien qui s'affiche.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dessus? Est-ce que tout simplement ça ne marche plus? Je ne sais pas. Levier, peut-être qu'il faut lui donner un niveau de redstone maintenant, un signal de redstone. Ce qui est fort probable. Ah oui, en effet, il faut lui donner un signal de redstone. Ok. Donc, récupérons ça, cassons ça, on redescend là où on était. C'est-à-dire ici, à la bonne hauteur, c'est-à-dire ici. On le pose donc contre le mur là. On va lui donner un signal de redstone par-dessus. On va poser le levier dessus et faire un signal de redstone. Parfait. Nous, ce qu'on veut, c'est en mode dôme. Donc, on va faire un clic droit jusqu'au mode dôme. Parfait. Et on veut donc du. Donc là, c'est du 6, c'est pas bon. Nous, on veut du 21. Alors, tac, péton tout autour. Parce que, comme je vous l'ai dit, il va falloir pouvoir accéder facilement à tous les côtés pour le régler. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que en faisant un clic droit sur chaque côté, on peut agrandir ou rétrécir le système. Par exemple, là, je fais un clic droit et j'agrandis. On voit, j'agrandis vers là-haut. Donc là, on le repousse par là-haut. Nous, ce qu'on va vouloir, ça va être le faire venir jusque, on avait dit, 5 au-delà de ça. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, juste ici. Ici, ça va être le premier bloc. Donc, on va péter ça, juste pour avoir un visu. On va l'agrandir jusqu'au bloc. Alors, hop, en théorie, encore un petit, voilà, là on est sur le bloc, là, très bien, donc c'est du 20, on est bien d'accord, et là on avait dit qu'on voulait du 10, donc pas du 8, du 10, 10, parfait, et en hauteur, 9, ça va faire haut quand même, hein. Mais bon, c'est une serre, c'est fait pour, donc là en théorie, si on sort, on va voir qu'il n'y en a qu'une partie à l'intérieur. Et on voit que notre serre va ressembler à ceci. Bon, c'est déjà bien. Et plus ce qu'on va faire, c'est que pour le moment, on va nettoyer juste autour de la serre. Et puis après, bah, on va tout simplement gérer tout le reste. Donc c'est parti, nettoyons autour de la serre. Donc au final, j'en ai ras le cul de faire tout simplement de miner à mort. J'ai déjà bien dégagé le truc, hein. On peut voir là, j'ai bien dégagé l'intérieur. Mais bon, c'est long. C'est long et c'est chiant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même prendre un filer. Seul problème, c'est que si on veut un filer, il va falloir le faire monter assez haut. En tout cas, pour supprimer tout ce qui est là. Et comment faire pour faire monter un filer assez haut? Eh bien, tout simplement, il faut faire une suite d'emplacements. Chose, enfin, une suite de... Je ne sais pas comment vous dire. Une suite de blocs, voilà, faut faire monter le bloc pour pouvoir poser un bloc en hauteur et utiliser 3 tonnes de scaffold par exemple, des scaffolds en masse. Ce qui, moi, personnellement, ne m'attire pas trop. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un angel bloc. L'angel bloc est un bloc qui se place à n'importe quelle hauteur, qui nous réclame du coup pas un nugget, mais un ingot, un gold ingot, deux feathers, j'en avais pris qu'une seule de feathers, c'est pas grave, on va en prendre une deuxième, et un. Une obsidienne. Ok, donc obsidienne, ça dégage. Le feather, le golden god, on va le placer à terre. Donc, un obsidienne entouré de deux feather et d'un golden god. Obsidienne, feather, feather, golden god. Ça nous donne un angel block. L'angel block a une particularité bien sympathique, c'est que peu importe l'endroit où on clique, on le pose. Et si on fait un clic simple dessus, il despawn, il se fait marave la tronche. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le poser ici. Qu'on va poser ce landmark. Alors attendez, on va plutôt pas le poser ici, on va plutôt le poser ici. Non, raté. On est un de trop loin. Hop. Non, raté. Faut qu'on se recule encore un peu. Tac. Toujours pas. On va y arriver. Tac, parfait. On va le poser ici, on va le poser comme ça. Du coup, maintenant, on va pouvoir faire notre zone. Hop, à trois étages. Enfin, à trois dimensions. Parfait. Notre quarry va donc tout péter. Dans ce bloc-là, autrement dit, oula, merde. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce qu'on a défoncé? Pourquoi est-ce qu'on est tombé? Enfin bref, on va avoir donc notre quarry qui va tout simplement être à ce point-là. On va, enfin notre filler qui va du coup tout supprimer là-dedans. On va le placer tout de suite. Tac, plaçons le filler. Le filler a compris tout. On ne veut pas filer. On ne veut pas flatten. On ne veut pas horizon. On veut clear, tout simplement. On clear l'excavate, on va lui dire l'excavate, hein, bien entendu, et on va lui placer de l'énergie,
tout de suite. Tac, avec le cube au bon endroit. Tac, et voilà, c'est parti. En théorie, ça reçoit l'énergie. Et c'est parti, ça détruit tout ce qui est dans les environs. Donc ça va nous détruire les arbres. Mais ça va aussi nous détruire tout le dirt, toute la dirt et tout ce qui reste aussi. Ça devrait aller sensiblement vite. Hein. On a déjà fait une grande salle comme ça. Là, ça va être sensiblement pareil. Du coup, on peut récupérer cet angel block qui nous servira. Ça sert à rien d'en faire 50. Hein. On en a besoin d'un au moins. Et voilà, c'est parti. Tac, tac, tac. Ça détruit. Ça casse tout. Et une fois que tout sera cassé, eh bien, tout simplement, on va pouvoir faire notre petite ruche juste ici. Notre petite serre juste ici. On le laisse pour le moment. On va juste. On va pas le laisser. On va pas le laisser parce que ça va être le bordel. On va juste noter ici la position et la taille. Donc c'était un 20 par 10 par 10. Donc J. Non, c'est pas ça, c'est B. 20 par 10 par 10. Parfait. Donc c'était pas ici, c'était plus bas. Et bon, ça, on pourra encore le gérer, hein, c'est pas un souci. 20 par 10 par 10, très bien. Ça va tout nous casser. Tout nous casser. Et pour le moment, on va juste garder du coup ce bloc-là qui va nous dire, eh ben, c'était ici et on veut du 20 par 10 par 10. Donc voilà, on se retrouve dans quelques instants, une fois que tout sera détruit, pour commencer un petit peu la serre pour les abeilles. Voilà, le système continue doucement à se faire. Ce qu'on va faire, c'est que l'on va redescendre. Tout simplement, on va retourner dans la batcave, entre guillemets, la batcave. La chatte cave, on va retourner dans la chatte cave. Et ce qu'on va faire, c'est que d'une façon sensiblement simple et relative, on va créer un système qui va nous permettre de changer toute la cobble et toute la stone qui est par terre, qui va nous permettre de la changer en dirt. Voilà, histoire que ce soit sensiblement beau. Pour ceci, il va nous falloir un transposer, je ne sais plus comment que ça s'appelle. Il y a une version Resonant, voilà, c'est un exchanger. Exchanger. Alors, un exchanger, on va avoir plusieurs types. On va avoir le Redstone Exchanger, qui va se crafter comme ceci, avec un Tesseract, un Eye of Ender, deux Electrum Ingots et un Redstone Flux Capacitor. Et le Resonant, qui va se crafter pareil, sauf que ce sera juste des Enderium et un Resonant Flux Capacitor. La différence entre les deux, c'est tout simplement la charge. La charge que ça utilise pour changer. Voilà, en gros, celui-là, il peut monter jusqu'à 10 millions de RF par tick, et celui-là, il monte que jusqu'à 2. Bon, on n'a pas besoin de 50 000 tonnes de RF dans notre exchanger, vu qu'on a notre armure pour l'alimenter au cas où. Donc, on va commencer par ici. Pour ce Tesseract, il va nous falloir une Tesseract Frame, du coup. Il va nous falloir, pour cette Tesseract Frame, 4 Enderium, 4 Ender Ingots, et du Fused Quartz ou Hardened Glass, ou du Hardened Lumium Glass. Voilà. Peu importe l'un des deux, il va nous en falloir. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste du Fused Quartz? En théorie, il nous en reste Quartz Glass. Non, on n'a plus de Fused Quartz. Bon, c'est pas grave. Il va nous en falloir 16. Tac. 16 Quartz. Très bien, que l'on va prendre tout de suite. Est-ce qu'il nous reste de l'Enderium? Il nous en faudrait 4. Enderium, il nous en faut 4. Plus 2. Très bien. Du pyrothéum, il nous en faut 1. Juste un seul. Il va nous falloir aussi de l'électrum. 2, 3, 4. Non, il nous en faut que 2. Diamant. Voilà. Il va nous falloir aussi du sulfure. Voilà. Il va nous falloir aussi du copper. Alors, si je me souviens bien, c'est 2 copper 1 lead ou 1 lead de copper, je crois c'est 1 lead de copper, c'est 2 copper, enfin 2 leads 1 copper, je suis pas certain. Et il va nous falloir pas mal de redstone aussi. Alors, redstone, on va prendre un petit stack et des diamants au final, on va en prendre quand même un de plus parce que c'est toujours utile d'avoir du diamant qui traîne. Alors, voyons. Voyons, voyons, tac. Récupérons tout ceci. On va avoir, pas avoir besoin d'électrum, par contre on va avoir besoin de l'enderium. Le quartz, prenons-le. Tac, faisons le cuir. Alors en mode alloys only, très bien. Tu me fais cuire du nether quartz s'il te plaît. Hop, parfait, nous avons droit à nos fused quartz. On va en avoir besoin de 4 du coup. 3 et 4. Merci. Ces 4 fused quartz qui vont venir avec un diamant au milieu, des électrums autour. Et du fused quartz 1, 2, 3, 4,
Ce qui nous fait un Tesseract Frame Empty. Maintenant, il va nous falloir 4 Ender Pearls. Il va nous falloir 4 Ender Pearls pour tout simplement faire 1 litre d'Enderium et le plonger à l'intérieur. Pour la suite, il nous faut aussi du silver et du bronze. Donc bronze 4, bronze 4 et silver 4. Parfait. En théorie, on a tout ce qu'il nous faut. 4, 4, 4. Très bien. Faisons fondre 4 Ender Pearls. Mettons ici notre Tesseract Frame, qui du coup va se remplir avec le Resonant Ender qui arrive bien doucement. Puis, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à travailler un petit peu là-dessus. Donc, nous, on va faire uniquement comme ça. Donc, il nous faut juste la Redstone Flux Capacitor. Donc, là, il va nous falloir la Redstone Flux. La Leadstone, pardon. Vérifions. Vérifions ceci. La Leadstone. Je suis allé trop loin. Leadstone plus 2 Invar plus 1 Tin plus 3 Redstone. Ok, très bien. Donc, tin 1. Un tin et qu'il nous faut donc. On revient tout de suite. Voilà, donc, comme je le disais, de quoi faire des Hardened Flux Capacitor. Il va nous falloir du coup 2 électrums là. Un diamond. 2 redstone. 3 redstone. Ça nous fait un redstone flux capacitor. Très bien. Il va nous falloir aussi du coup 2 électrums en rab. Parce que je crois que. Oui, bah, on n'avait pas pris les 2 électrums qui vont aller autour. Là et là. Voilà. Ici, ça a dû terminer normalement. Parfait. Le Tesseract Frame est ici. Tesseract Frame plus 4 Bronze Ingots plus 4 Silver Ingots. Ou alors c'est l'inverse. C'est l'inverse. Très bien. Hop, ça nous fait un Tesseract. Parfait. Le Tesseract que l'on va utiliser, il nous faut un Eye of Ender aussi. J'avais pas fait gaffe. Est-ce qu'on a Blaze Rod, Blaze Powder? Il nous en faut un Ender. Ender Pearl, pardon, il nous en faut un. Ainsi que on avait dit qu'il nous fallait les 2 électrums qu'on a là. Alors, Ender Pearl, Blaze Rod, Blaze Powder, les 2 électrums. 1, 2 électrums, Redstone Flux Capacitor, Tesseract et l'Eye of Ender. Hop. Ah, vous savez quoi? J'ai vraiment envie tout simplement d'aller jusqu'au bout hein, tant qu'on y est. Parce qu'on ne sait jamais, hein. Peut-être qu'on aura besoin de ça plus tard. Peut-être qu'on aura besoin de beaucoup plus de capacité, parce que raison X ou Y, hein. Du coup, autant monter jusqu'à l'Enderium. Voilà, autant monter jusqu'au Resonant. C'est toujours sympa. Enderium, donc. Enderium. Hop. Deux Enderium ingots. Très bien, du coup, on peut, vu qu'on est. Enderium continuer comme ceci. Tac, on a du coup un Resonant Exchanger. Le Resonant Exchanger, c'est une machine très simple. Alors, Shift F pour le remplir un peu. Voilà, il va commencer à se remplir. Donc, il va se remplir jusque 10 millions. Hein. On a encore 39 millions dans notre armure. Ça va. C'est pas forcément quelque chose de mauvais. Du coup, on a notre Exchanger. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà virer un peu tout ce qui ne nous sert plus. La redstone, ça et ça. Le landmark, ça. Merde, on aurait dû garder le levier. C'est pas grave. Rangeons ensuite. Donc là, le toast, on le garde. Le building guide, il dégage. Crescent Hammer, tout ça dégage. Très bien. Levier, on va le recommander. Du coup, on va même en commander les 7 qu'on a ici. Parce que de toute manière, on en aura besoin dans notre côté. On n'a pas besoin de crafter des trucs avec des leviers pour le moment. Donc, on peut toujours le garder de côté. Ah bah du coup on n'a pas besoin de le garder sur nous non plus. Hop, hop, parfait. On a pile ce qu'il nous faut. Ça recharge. Ça recharge avec notre armure. Pour le moment. Alors on peut voler en même temps. Hein. Je vous recommande pas parce que regardez à quel point ça part vite quand on met le tout en même temps. Bon, ça ne change rien en soi. Hein. Mais bon, ça part quand même super vite. Ah, on n'a plus d'énergie ici. On n'a plus d'énergie. Alors, voyons voir. Récupérons ceci. Remplissons-le aussi avec, ma foi, notre petite armure. Parce que, bah, du coup, notre armure recharge aussi le bloc. Hein. Et oui,
Tout ce qui possède de l'énergie, oula, tout ce qui possède de l'énergie peut être rechargé par l'armure. Donc en gros, ça va nous faire une armure surcheatée et surbien. C'est trop bien, hein? On s'amuse, on s'en jette, c'est la folie. Hop, ici, récupérons. Hop, juste, on va prendre, allez, 18 stacks. Comme ça va faire deux rangées de stacks de terre, de dirt. Merde, j'ai commandé 18 dirt, quel idiot. Non, on n'a pas besoin de 18 dirt, on a besoin de 18 stacks de dirt en fait. Mais c'est pas grave. Dirt. 18. Alors, j'ai fait un petit peu de compresse, double compresse, etc. Parce que je me suis rendu compte que j'arrivais pas à en faire suffisamment. Donc, je les ai compressés à la main. Et du coup, voilà. 18. Parfait. Tac. 18 stacks de dirt. C'est parti. En théorie, on devrait être, on devrait avoir suffisamment de place. Hein. Voilà, parfait. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre exchanger. On va faire un shift clic droit là-dessus. Alors, bien entendu, là, ça veut le transformer en grâce. Ce qui n'est pas possible. Nous, on veut le faire en dirt. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un shift clic droit sur la dirt. Et du coup, on peut tout transformer en dirt comme ceci. Assez simplement. Voilà, donc, on n'a plus à s'inquiéter de la dirt qui traînasse un peu partout. Voilà, on peut tout simplement tout changer. Et bien entendu, l'énergie est prise dans notre armure. Bon, alors là, je fais n'importe quoi parce que ça, on n'a pas besoin de le changer. Voilà, ça, on le garde. Parfait. Ça aussi, on peut le changer. Ça aussi. Hop. C'est juste ce qui est là au niveau de ce sol-là qu'on doit changer. Hein. Hop. Et on voit, c'est quand même beaucoup plus rapide du coup de nettoyer le sol comme ça. Et si jamais on voulait le transformer avec des stone bricks pour faire, je ne sais pas moi, un sol plus stable, eh ben on pourrait, il n'y aurait pas de souci. Bon, seul bémol, c'est qu'on ne peut pas transformer tous les sols. C'est-à-dire que par exemple, notre sol, enfin nos blocs fantômes de notre building block, de notre building guide, ne vont pas pouvoir être changés, tout simplement. On est déjà full ou c'est moi? Ah non, c'est bien ce que je croyais. Eh, quand même. Respectons-nous. Voilà. Parfait, hop. On change tout. Et du coup, on aura quasiment que de la dirt. Et puis, au fur et à mesure, eh bien, le... Hé hey. Quand même, merci. Au fur et à mesure, eh bien, cette dirt se transformera en... pas en sand, mais en... Hé hey. Pourquoi ça marche plus? Ah, ça marche? Là, ça marche plus. Hey, on a encore plein de dirt pourtant. Ah, peut-être parce qu'on a plus de place sur nous. Très bien. Vidons. Vidons un petit peu tout ce bordel. Hop. On va en profiter pour garder ça de côté. Alors, on récupère de la stone et pas de la cobble. Et ça, c'est cool aussi, du coup. Alors, on vire tout ça, ça, ça. Tous les minerais qu'on a récupérés. Hop. Voilà. Récupérons des tonnes de stone. Et là, on va récupérer des tonnes aussi d'apatite or. Et l'apatite or, ça va être cool parce que on va pouvoir la péter à la main et être certain d'avoir eh bien, nos bonus dessus. Nos super bonus de plein de pourcents. Hop, on répète tout et on se retrouve juste après. Et voilà, de retour pour terminer tout simplement ceci. Donc j'ai nettoyé, j'ai changé en terre. Depuis le temps, ça a eu le temps de se transformer en grâce. J'ai refait tous les contours tout simplement avec de la cobble de notre petit building guide qui se trouve ici. Et maintenant, on va le transformer tout ceci avec notre Resonant Under, notre Resonant Exchanger. Transformer toute la cobble que j'ai utilisée de façon safe en glace. En glace, tac, ici, il en manquait un. Et c'est parti, tac. Et là, on va tout transformer en glace et se faire notre petit système. Alors, il pleut, hein, comme d'hab. Il pleut tout le temps sur le serveur du canard. Mais bon, c'est pas grave. On fera avec. On va tout simplement, voilà, tout transformer en glace. Hop. Et avoir notre petit système bien sympathique et bien prêt. Voilà. Alors, on peut passer par dehors. Ça ne posera pas de soucis. Et l'avantage, c'est aussi que si, par exemple, on se plante,
eh bien, on peut récupérer du glace. Si jamais on a décidé de changer, on peut récupérer le glace. Avantage que l'on trouve avec le reste, par exemple, ici, si jamais je voulais changer, voilà, cette Earth Infused Shard, on voit que je l'ai récupéré en tant que bloc. Donc, en gros, c'est du Silk Touch. C'est du Silk Touch. Il n'y a pas de souci là-dessus. Vous pouvez transformer tout ce que vous voulez. Il n'y aura aucun problème. Ça restera entier et sans aucun souci. Donc, on va tout changer. Et en théorie, on devrait se quitter là, les enfants, pour cet épisode du Chatplay sur le Chatpack. Dans l'épisode prochain, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, dans l'épisode prochain, on va aménager cette petite serre. On va l'aménager et on va essayer d'en faire quelque chose de magnifique. C'est-à-dire la gestion quasi auto des abeilles. J'aimerais qu'on puisse gérer toutes nos abeilles et qu'on puisse transformer toutes nos abeilles, si besoin est, pour faire quelque chose de purement magique et superbe. Qu'on aille faire tout simplement des abeilles. Un système de gestion d'abeilles, voilà, géré par Logistics Pipe. Et qui me disent exactement où j'en suis et si j'ai besoin d'autre chose pour continuer. Donc là, c'était Chad, on va se quitter là-dessus. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite à tous, bah, ma foi, une bonne journée, une bonne soirée surtout, puisque bah, il est 18h. Hein. D'ici là, portez-vous bien, des bisous et à très très bientôt.